Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, amis, nièces, cousins, chers amis, après quelques jours de, je ne dis pas de vacances, sinon de repos, après cette opération que j'ai au cœur, on va continuer notre méditation sur la doctrine chrétienne. Dans les leçons antérieures, on a parlé des commandements de Dieu en général et de la conscience. Aujourd'hui, nous allons parler des commandements de Dieu résumés en deux. Aimer Dieu plus que toutes les choses et aimer son prochain comme soi-même. Jésus le dit, et Saint Paul aussi, chapitre 13 aux Romains, il dit que tous les commandements se résument, aimer son prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu. Ainsi, celui qui aime son prochain, il ne veut pas ni le tuer, ni le voler, ni prendre son épouse, ni mentir, ni l'accuser, etc., etc. On va développer ce thème des commandements de l'amour avec le catéchisme de catéchisme populaire catholique de François Spirago, page 210 et suivante. Les deux commandements les plus importants sont les deux commandements de l'amour, savoir celui de l'amour de Dieu et celui de l'amour du prochain, parce que ceux-ci renferment tous les autres. Donc celui qui aime Dieu, celui qui aime le prochain, eh bien en fait, il met en œuvre les 10 commandements. Un jour, un scribe demanda à Jésus quel était le premier de tous les commandements. Celui-ci répondit, vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme ou intelligence, de tout votre esprit ou sentiment, et de toutes vos forces. Et voilà le premier, et le second est semblable au premier, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Saint Marc 12, 30. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné ce commandement en ces termes, Deutéronome 6, 5, l'amour de Dieu est ainsi que l'amour du prochain, Lévitique 19, 18. Les deux commandements de l'amour enferment tous les autres. Cela provient de ce que toutes les forces de l'âme humaine, la raison, l'entendement, la volonté et les actions sont influencées et dirigées par eux comme il ressort des paroles du Christ. De même que les branches d'un arbre naissent d'un tronc commun, de même les deux commandements de l'amour donnent naissance à tous les autres. Les autres commandements précisent simplement ce que ceux de l'amour exigent. Jésus-Christ dit à ce sujet, ces deux commandements contiennent la loi et les prophètes, Saint Matthieu 22, 40. Dans les familles, les pays, les états et les communes, toutes les autres lois seraient superflues si cette loi de l'amour était observée partout et par tous. Et donc, ceux qui ont déchristianisé le monde, ceux qui ont détruit la foi, ceux qui ont vraiment organisé la déchristianisation en utilisant les pouvoirs publics, les lois pour déchristianiser, vraiment, ils ont fait, je ne dis pas une erreur seulement, mais un crime contre eux-mêmes, contre leurs enfants, contre les générations qui ont suivi. Et malheureusement, depuis 300 ans, il y a des gens qui travaillent pour éliminer la foi chrétienne par haine, par sottise et par bêtise. Et ils souffrent, bien sûr, en volant quelques slogans, quelques paroles chrétiennes, en les vidant de leur contenu, ils nous ont amenés à la situation actuelle. Le commandement de l'amour de Dieu renferme les 4 premiers commandements du décalogue et celui de l'amour du prochain, les autres 6 avec le précepte de faire les œuvres de miséricorde. Les 4 premiers commandements se rapportent à Dieu comme notre souverain Seigneur. Dieu exige dans son premier commandement l'adoration et la fidélité, dans le second le respect, dans le troisième le service et dans le quatrième, la soumission à ses représentants sur terre. Donc, aimer Dieu plus que tout, ne pas jurer le sang de Dieu en vain, sanctifier le jour du Seigneur et honorer son père et sa mère. Les 6 autres commandements concernent le prochain qui défendent de le nuire,
l'une huile dans sa vie, ne t'a pas ne pas tuer, dans son innocence, ne pas forniquer, dans sa propriété, ne pas voler, dans son honneur, ne pas mentir, ni lever faux témoignage, et dans sa famille, ne pas désirer, ni son époux, ni son épouse, ni ses biens. L'ordre de Jésus-Christ de pratiquer les œuvres de miséricorde aussi, dans Saint Matthieu 25, 31 suivant, complète la deuxième partie du décalogue qui se rapporte à l'amour du prochain, car il prescrit de l'assister dans les besoins. J'avais faim, vous m'avez donné à boire et manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade et en prison, vous m'avez visité, etc. Jésus-Christ, du reste, fait clairement reconnaître dans sa réponse au jeune homme riche que les six derniers commandements forment un tout, car il énumère le commandement relatif à l'amour du prochain, en commençant par celui qui défend de le tuer. Saint Paul aussi trouve que le cinquième et le dixième commandement forment tous une série de lois complètes et méthodiques. On l'a dit, Romains 13, 9. Celui qui possède l'amour de Dieu et du prochain accomplit tous les préceptes et parvient à la vie éternelle. Eh bien, celui qui observe les deux commandements de l'amour observe tous les autres commandements, parce que tous les commandements y sont enfermés. C'est pourquoi Saint Paul dit la charité, la perfection et la loi, Romains 13, 10. Sans l'amour de Dieu et du prochain, il n'y a pas de salut. Saint Jean dit celui qui n'a pas de la charité reste dans la mort, Saint Jean 3, 14. Celui qui vit dans la charité, celui qui vit sans la charité, il est mort. Saint Paul dit, celui qui n'aime pas Jésus-Christ est anathème. 1 Corinthiens 16, 22. Pour marcher, il faut deux pieds. Si nous voulons aller au ciel et parvenir à Dieu, il faut que nous ayons l'amour de Dieu et du prochain. L'oiseau ne peut s'élever vers le ciel qu'avec deux ailes. Et nous ne pouvons en faire autant que sur les deux ailes de l'amour de Dieu et du prochain. Les bienheureux du ciel aiment Dieu et s'aiment les uns les autres. Voulons-nous aller au ciel? Il faut commencer dès maintenant à aimer Dieu et le prochain. Saint Augustin dit à Dieu, qu'est-ce donc l'homme pour vous, pour que vous veuillez être aimé de lui et que vous le menaciez de peine si sévère s'il ne vous aime pas? La faculté d'aimer Dieu le prochain nous est accordée en même temps que la grâce sanctifiante. De nous seuls, nous sommes incapables d'aimer Dieu par-dessus tout. Après le péché originel, il en est de nous comme d'un palmier transplanté de son pays natal dans le nôtre. Il essaie de porter des fruits, mais il est incapable de produire des dattes mûres et agréables au goût. Sans la grâce, on peut rien faire. De là, l'importance de la communion, de la confession, de la prière, de la lecture des bons livres, des livres des saints, du catéchisme, de l'évangile, des psaumes, de livres de la sagesse, des proverbes, et toute la littérature chrétienne, spécialement Saint François de Sales, Saint l'introduction à la vie dévote, Saint Alphonse de Ligorie, tout ce qui est Saint Alphonse de Ligorie est excellent, etc., etc. On doit remplir notre tête vraiment de cette connaissance de Dieu pour l'aimer. L'amour de Dieu est inséparable de l'amour du prochain. De même que la semence contient la plante, de même l'amour de Dieu renferme l'amour du prochain. Les deux commandements de l'amour de Dieu sont ainsi faits que l'un ne peut pas être observé sans l'autre. Celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son prochain est un menteur. C'est pourquoi la Sainte Écriture ne parle jamais que d'un commandement de l'amour, tantôt de celui de Dieu, tantôt celui du prochain, parce que l'un renferme l'autre. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais est son frère, il est un menteur, dit Saint Jean, 1 lettre 4, 20. Celui qui aime Dieu ne peut pas haïr l'homme, celui qui est l'homme ne peut pas aimer Dieu, dit Saint Jérôme. Celui qui aime Dieu ne peut pas haïr son prochain, et celui qui est l'homme ne peut pas aimer Dieu. La charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, est bienveillance, elle n'envie rien et ne pense pas du mal. 1 Corinthiens 13.
4 à 7. L'amour du prochain est la meilleure pierre de touche de l'amour de Dieu. Voilà. L'amour du prochain est la meilleure pierre de touche de l'amour du prochain. L'amour du prochain est la meilleure pierre de touche de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, quand on aime Dieu, on aime le prochain. Quand on aime le prochain, c'est qu'on aime Dieu. Voilà. Celui qui en veut à ses semblables, même un seul, qui le hait, l'envie, le nuit, soit dans sa santé, soit dans son innocence, dans sa fortune, dans son honneur domestique, ou bien celui qui n'aime pas faire le monde, celui-là n'aime pas Dieu. Les injustices sont une preuve qu'on ne possède pas l'amour de Dieu, dit Saint Augustin. Les injustices sont une preuve qu'on ne possède pas l'amour de Dieu. L'envie est la preuve que nous ne possédons pas l'amour de Dieu, dit Saint Éphrem. Donc, les 10 commandements de Dieu se résument en deux. Aimer Dieu de tout notre cœur, âme, force, intelligence et cœur, et aimer le prochain pour l'amour de Dieu. Ces 2 commandements, eh bien, résument les 10 autres. Le commandement de l'amour de Dieu renferme les 4 premiers commandements du décalogue et celui de l'amour du prochain, les 6 autres, avec le principe de faire les œuvres de charité. Celui qui possède l'amour de Dieu et du prochain accomplit tous les préceptes et parvient à la vie éternelle. La faculté d'aimer Dieu le prochain nous est accordée en même temps que la grâce sanctifiante. Donc, celui qui vit dans le péché, malheureusement, et même baptisé, il n'a plus la charité, il n'a plus l'Esprit Saint, il n'a pas la grâce, ben il est dans les ténèbres, dans les biens, tous les problèmes. Alors, comment on détruit le péché? Eh bien, on expulse le péché par le sang de Jésus en faisant une bonne confession. Notre Seigneur a dit le jour de la résurrection précisément aux apôtres, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnez les péchés vous sont pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. D'ailleurs, l'importance de se confesser pour éliminer le péché et de communier pour recevoir le corps et le sang de Jésus qui nous donne non seulement la grâce, sinon l'auteur même de la grâce et son esprit et sa charité. Demandons au bon Dieu d'aimer et quand nous avons quelque chose contre quelqu'un, eh bien, prions notre Père de tout cœur pour cette personne et faisons-lui tout le bien que nous pouvons, soit spirituel par la prière, soit par la charité, soit par tous les moyens et nous verrons comment le diable sera paralysé. Au nom du Père et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ayez la charité, mes frères, de renvoyer ces causeries à vos contacts et de vous souscrire aussi à notre canal pour recevoir ce que nous publions, soit en français, soit en espagnol. Que Dieu vous bénisse.